Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ça peut aller, je vous explique après. En tout cas, nous sommes le vendredi 11 décembre, il est 7h11 et je suis très contente d'ouvrir ce premier vlog. Si vous saviez comme je suis stressée, c'est abusé. Je tremble et tout. N'importe quoi. Mais bon, allez. Une chose après l'autre. Premièrement, il me faut du café. Beaucoup de café. Allez, on va essayer de se réveiller un petit peu parce que là, c'est pas possible. Je vais en profiter le temps que je bois mon café pour vous expliquer un petit peu ce qui va pas. Rien ne va. Non, je plaisante quand même, mais je vous disais que j'étais stressée tout à l'heure et parce que. Pour aujourd'hui, il y a des centaines de choses qui me stressent, des centaines de milliers de choses qui me stressent, à savoir, est-ce que je vais y arriver? Je me rends dans un endroit que je connais pas du tout. Je vais devoir porter le masque toute la journée. Je sais pas vous, mais moi, ça m'angoisse ce truc dès que je dois le mettre. Je vais devoir filmer. Et surtout, comme on sort totalement du coloriage, et ben j'ai peur que cette vidéo, que ce format vlog hors coloriage ne vous plaise pas, que la vidéo soit beaucoup trop nulle et qu'elle ne vous plaise pas, que la vidéo soit beaucoup trop longue ou beaucoup trop courte et qu'elle ne vous plaise pas. Bref, vous aurez compris que j'ai très peur que cette vidéo ne vous plaise pas. Mais après, comme j'avais dit sur Instagram, j'ai jamais dit que ma chaîne allait être une chaîne exclusivement coloriage. Elle peut pas être exclusivement coloriage, j'ai commencé avec du mandala. Donc, dans cette première vidéo, j'avais dit que je voulais partager plein de choses avec vous et partager les choses que j'aime, quoi, avec vous. Donc... Évidemment, la chaîne restera axée et basée sur le coloriage. Mais voilà, ça fait du bien aussi de changer, de voir autre chose. Et même à moi, là, ça me fait du bien de filmer autre chose que tout le temps les mêmes choses, etc. Franchement, ça fait du bien, quoi. Mais de toute façon, je vais vous faire une vidéo, je pense, début janvier. Oui, de toute façon, ce sera tout début janvier, c'est même sûr, pour vous expliquer un petit peu tout ça. J'ai des choses à vous dire. Seulement, moi je trouve que les points positifs justement de cette vidéo, c'est que si ça peut permettre de faire connaître le coloriage pour adultes à des personnes qui ne connaissent pas, ce serait super. Déjà de une.
En deuxième, je pense que ce genre de format peut vous en apprendre plus sur moi et peut-être répondre même aux questions que vous posez ou que vous me posez aussi directement et pour lesquelles, enfin, je réponds pas spécialement parce que je sais pas quoi dire en message quoi. Et puis je pense que ça peut tout autant divertir qu'une vidéo coloriage. Comme apparemment vous aimez autant mes vidéos, du coup, voilà, je pense que ça peut tout autant faire passer un bon petit moment qu'une vidéo de coloriage. Maintenant que je vous ai bien partagé mon stress, ça va mieux. Vous savez, une fois que je l'ai dit à voix haute, maintenant ça va mieux. Ça va. Enfin, ça peut aller. Alors, programme du jour. Pourquoi je vous fais ce vlog ? Tout simplement parce que j'y pense déjà depuis un petit moment et que là, l'occasion se présente. Habituellement, je fais rien de bien fifou. Hein. Donc, comme là, l'occasion se présente de bouger un petit peu, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi, tout simplement. De mon travail, j'ai reçu une prime d'habillement, en fait, qu'il faut que je dépense absolument avant la fin du mois. Et en plus de ça, j'ai un rendez-vous aussi pro sur le secteur. Donc, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre quatre coups, mon rendez-vous pro, faire mon shopping, voir pour des cadeaux de Noël et vous prendre avec moi. Alors autant vous dire que la journée va être chargée, mais franchement je suis trop contente parce que depuis février l'année dernière, je n'ai absolument pas bougé de Cognac, sauf en juin, au moment où j'ai déménagé officiellement et donc je suis retournée en Vendée pour rendre ma maison. Mais sinon, depuis là, j'ai pas bougé de Cognac. Et ça fait des mois et des mois que j'ai la tête dans le guidon entre YouTube et mon travail. Donc là, franchement, prendre l'air, ça va vraiment, vraiment, vraiment me faire du bien parce que je pense que sinon, à un moment donné, je vais craquer. Mais je vous raconterai ma petite vie un petit peu plus tard. Là, tout de suite, il est... 7h32, il va falloir que je me bouge un petit peu. Je vais aller promener mon toutou qui attend. Si vous l'entendez faire des allers-retours, je suis désolée. D'habitude, le matin, je me lève, je bois approximativement, il me laisse le temps plutôt, de boire approximativement 3 gorgées de café. J'enfile vite fait un jogging et je vais le promener. Donc là, autant vous dire que ça fait un petit moment qu'il attend du coup. Ensuite, je me prépare parce que là, cette tête, c'est plus possible quoi. Et je vous reprends juste après. Pipi ? On va faire pipi ? Oui ! Oui, on va faire pipi ! Allez. Allez, ma petite crapule. On y va. Mes pauvres San que j'utilise plus que pour aller le promener. Allez mon petit cœur. Là ça y est, attention, on est dans les starting blocks. T'es prêt? T'es prêt, on y va? 1, 2, 3. Je reviens de promener Sunny, c'est génial. Il pleut la mort. Moi qui voulais pas mettre ma grosse doudoune pour ne pas avoir chaud, je pense que je vais pas avoir le choix parce que c'est le seul manteau que j'ai avec une capuche. Et en plus de ça, je vous ai pas dit. Mais c'est hier soir, donc jeudi, je me suis endormie comme une grosse patate sur le canapé. Je me suis réveillée à 1h du matin sans pouvoir me rendormir.
Donc, du coup, ce que je n'ai pas pu faire hier soir, c'est-à-dire faire des tests de caméra, me laver accessoirement, et puis, voir si tout fonctionne, eh bien, je l'ai fait cette nuit, entre 1h et 3h du matin. J'ai été prendre ma douche et tout. Et je me suis rendormie, il devait être pas loin de 4h. Je me suis posée, j'ai regardé les vlogmas du coup que je n'avais pas eu le temps de regarder. Et puis, je me suis rendormie et ici, hein, il y a encore la couette et tout, donc sur le canapé, donc jusqu'à 7h. Voilà, cette journée va être vraiment très longue. Allez, je vais me préparer parce que cette tête là, c'est plus possible. Mais du coup, j'avais dans l'idée de me lisser les cheveux. Mais s'il pleut, ça va pas tenir. Cette journée commence vraiment mal. Et j'ai le stress qui remonte. Bon, allez, on va y arriver. Hein ? On y croit. À tout de suite. Et voilà, la magie du montage, c'est formidable. Du coup, j'ai décidé de laisser mes cheveux un petit peu libres quand même. J'ai juste lissé là. On va espérer que ça tienne avec la pluie aujourd'hui. Et puis sinon, tant pis, je voulais pas me les attacher. Je supporte pas ma tête avec les cheveux attachés. Donc, on va essayer de faire comme ça. Hein. On verra bien ce que ça donne. Bon, et voilà, donc là il est maintenant, comme ça ce sera peut-être mieux, il est 8h34 et je vais emmener quelques affaires, des chargeurs, des trucs comme ça pour être tranquille. Il faut pas du tout que j'oublie mon attestation employeur. Et je vais faire mon sac. Donc, je vais changer de sac pour en prendre un peu plus grand. Ben, pour pouvoir mettre appareil photo, attestation et tutti quanti. Et puis, voilà, je vais vous poser. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, est-ce que vous me voyez? Oui, ça va, on me voit. Alors, du coup, je vais prendre ce grand sac noir. Alors, il faut que je mette mes attestations. Hop. Comme ça. Hop. J'ai une petite pochette aussi avec gel hydroalcoolique, des lingettes désinfectantes. Top. Un masque de rechange. J'en ai déjà préparé un. Hop, donc la petite pochette. J'espère que, je sais pas si vous entendez, il y a une espèce de bruit de fond. On a changé Bubule de place. Je vous ai pas dit, Bouboule est mort. Donc il reste plus que Bubule, je vous montrerai plus tard. Et du coup, je vais juste finir mon sac. Hop, donc ça c'est quoi? Ça c'est bon. Mon porte-monnaie, je vais tout mettre dedans. Hop. Voilà. Donc, chargeur. Ça peut servir, on sait jamais. Je vais prendre mon appareil photo. Je vais essentiellement filmer avec mon téléphone. Je pense que ce sera plus simple. Mais au cas où, si j'ai d'autres plans à faire, ce sera aussi bien avec l'appareil photo. Je vais être chargée comme une mule. N'importe quoi. Hop. Appareil photo. Appareil photo. Attestation. Porte-monnaie. Truc désinfectant. Parce que Covid ou pas Covid, j'ai toujours eu du gel antibactérien sur moi. Donc, voilà. Ma carte d'identité, je vais la laisser à disposition si jamais je me fais contrôler. Et puis, on est pas mal. J'ai pas spécialement besoin d'écouteurs. Le téléphone, je l'aurai avec moi. Il faut que j'embarque la perche. Perche. Hop. Et puis voilà.
On est pas mal pour le sac. Et je pense que je vais décoller sur les coups de 9h. On a 45 minutes de route et je viens de me rendre compte que je vous ai toujours pas dit où on allait. C'est quand même relativement mal poli de vous embarquer sans vous dire où on va. On va donc à Angoulême. Parce que, donc, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt, donc j'ai un rendez-vous pro là-bas et en même temps, ben, je vais en profiter pour faire mon petit shopping pour ma prime, etc. Alors c'est chouette parce que je ne connais pas du tout Angoulême. Donc ce sera l'occasion de visiter, visiter, hein, c'est un grand mot, on va dire que ça va me changer de Cognac et de mon éternel trajet maison, travail, travail, maison, maison, parc, parc, maison pour promener la petite bête que vous entendez tic-tic-tic-tic-tic marcher. Donc je pense que c'est bon, j'ai tout avec moi. Je vais choisir mon manteau et puis oui, comme je vous disais, on a à peu près 45 minutes de route. Donc je vais décoller sur les coups de 9h, comme ça je vais y aller tranquillement. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. J'espère que je ne vais pas me paumer. Il faut que je programme Waze et puis ce sera bon. On est pas mal, je vais quand même mettre ma petite veste. Hop, voilà, ça fait quand même un petit peu plus habillé, c'est quand même mieux. Et puis voilà. Bah non mon loulou, tu viens pas avec maman. Bah non. J'avais pensé à l'emmener avec moi, mais dans les magasins et tout, il va pas supporter, ça va le saouler. Moi, ça va me saouler. Qu'il soit saoulé, donc donc ça vaut pas la peine. Donc on va y aller toute seule et puis c'est tout, ça c'est vide, c'est à jeter, ça c'est à jeter et voilà, je vous retrouve au moment du départ. Et voilà, il est 9h tout pile, on va y aller. Je me suis habillée, finalement j'ai mis ma petite veste Desigual. Je me dis que j'aurai moins chaud parce qu'on va dans une galerie, donc j'aurai moins chaud. Du coup j'embarque le copain, je pense que ce sera mieux. Finalement, je mets pas ma doudoune parce que je vais avoir trop chaud dans la galerie. Le seul truc, c'est que c'est le seul manteau où j'ai une capuche. Mais en même temps, ben, si je filme en extérieur, ben, il faut que je puisse protéger aussi le téléphone et tout. Parce que sinon, ça va être trop galère. Donc, je pense que c'est tout bon. J'embarque tout et puis on y va. We'll be right back.
ça y est, je viens d'arriver au centre commercial. On va espérer qu'il n'y ait pas trop de monde. En tout cas, c'est trop beau. Donc, je vous fais un petit plan. Donc, je suis au Champ de Mars, le centre commercial d'Angoulême. C'est trop beau, les gars. Je vais vous montrer à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment trop beau. On va commencer par la base. Donc je commence par Zara parce que j'avais pas envie de faire 50 magasins et que j'ai repéré sur leur site vraiment de très belles choses. Donc on va regarder ça. Bon les gars, après être resté presque une heure chez Zara, d'ailleurs je vous ai même pas dit l'heure qu'il est, il est presque 11h, donc oui, je suis restée presque une heure chez Zara, j'avais tout pris, mais ils ne prennent pas les règlements par chèque, oh je n'ai que des chèques pour faire mes achats. Donc j'ai tout reposé à mon grand dam. Par contre là je suis chez Camailleux et il y a des trucs mais vraiment 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 trop beaux, je vais vous montrer. N'hésitez pas à aller chez Camailleux, les vendeuses sont absolument adorables. Il y a des promos, vous avez deux articles achetés, le troisième est offert. Je crois que c'est jusqu'à la fin du mois, je redemande en caisse et je vous redis ça. Seulement là, j'ai transpiré. Ça se voit, ça fait à peu près plus d'une heure que je suis là et les vendeuses ont été géniales. Je vous redis ça bientôt. Recoucou. Alors, je suis désolée, je vous ai abandonné complètement. Il est 15h06, je viens tout juste de rentrer. Je peux vous dire que je suis chargée, je suis passée chez Camailleux. Voilà, je suis passée chez Cache Cache. Par contre, c'était sans compter évidemment le fait que je suis une poisseuse. Si vous saviez la matinée de dingue que je viens de passer, je suis contente d'être rentrée là, très clairement, parce que ça a été horrible. Donc j'avais des chèques, sauf que les chèques ils ne prenaient pas partout. Apparemment on pouvait pas dépasser un certain montant. Donc j'ai encore des choses de chez Camailleux laissées de côté et les vendeuses ont été vraiment
adorables, vraiment des amours. Elle me les garde donc jusqu'à mercredi prochain. Donc il faudra que j'aille mercredi prochain chercher le reste. Donc je vous ferai le haul quand j'aurai tout, parce qu'il me manque encore aussi une pièce qu'il faut que j'aille voir. Et puis ce sera bon et j'aurai dépensé ma petite prime de Noël de fin d'année. Je suis tellement contente. Ça faisait, sans vous mentir, 3 ans. Mais vraiment, 3 ans, et encore, je suis sûre que ça doit être un petit peu plus que ça. Mais du coup, ouais, ça faisait 3 ans que j'avais pas fait de shopping. Mon Dieu, je brille. Du coup, parce que je trouvais que c'était pas bien taillé, tout ce que je trouvais, ça n'allait pas. Parce que j'aimais bien, en général, il y avait pas ma taille. Et puis, je sais pas, les collections des années d'avant... Soit c'est mon corps qui n'allait pas, ou soit c'est les vêtements qui n'allaient pas sur mon corps. Enfin bref, rien n'allait. Donc du coup, là, je suis allée chez Zara. Vous avez vu, je suis allée chez Zara en premier, parce que Zara, à la base, je prends et j'avais pratiquement tout. J'avais pratiquement tout. J'ai passé 45 minutes dans le magasin. J'ai pris ci, j'ai pris ça. En fait, on va dire que... Donc je pouvais prendre ce que je voulais. La seule obligation, c'était de prendre au moins... un tailleur. Et donc du coup bah, j'avais trouvé tailleur, donc veste et pantalon chez Zara. Je vais décaler, je me sens un peu à l'étroit. Et du coup, ah oui, il y a ça aussi qu'il faut que je vous dise. Bref, donc j'avais trouvé un tailleur, j'avais trouvé plein de choses, enfin. Et là, j'arrive près de la caisse et je vois que les chèques machin ne sont pas acceptés. Et là, j'ai cru que j'allais pleurer. Donc, je suis allée reposer tout ce que j'avais pris. Je suis ressortie, j'ai appelé mon chéri, je lui ai dit, je suis dégoûtée, il pleut. Non, mais regardez-moi ça. Il pleut, je trouve rien, j'ai passé 3 quarts d'heure au Zara. Enfin, après, je suis pas trop au magasin et je me rends compte que là, depuis le mois de mars... concrètement, que j'étais enfermée, mis à part en juin mon déménagement, j'avais une vraie phobie, vraiment, ce matin, de retourner le monde et tout. Alors déjà que je ne supporte pas le monde dans les magasins le samedi, je m'arrange toujours pour faire les courses dans la semaine, faire du shopping un vendredi pendant les fêtes... laissez tomber. En plus, j'ai eu une crise de panique aussi à Camailleux. Parce que le masque, je supporte vraiment pas, quoi. Je suis hyper claustrophobe et le masque, ça me... j'avais chaud, j'ai essayé, je sais pas il y a combien d'articles, sachant qu'il y en a encore 5 de côté au magasin. Mais j'ai dû essayer 25 trucs, j'avais chaud, j'avais le masque, j'en pouvais plus. Et j'ai fait une crise de panique, donc je suis partie, elles m'ont mis les trucs de côté, en plus ça passait pas, enfin bref. Donc c'est tout, et puis là j'ai dit stop, j'en peux plus. Donc je suis partie, donc je suis rentrée donc de Angoulême à... pour rentrer à Cognac. J'avais toujours dans l'idée de prendre une certaine forme de petite chaussure. Donc je me suis dit, je vais aller chez Auchan, dans la galerie, il y aura bien un magasin qui vendra ça. Et effectivement, chez Cache Cache, ils les vendaient. Donc super, et puis j'ai pris 2-3 autres choses avec. Donc je suis hyper contente. Et clairement, j'ai trop hâte de vous montrer. Et puis voilà. Et puis on se retrouve dans quelques jours pour moi. Et tout de suite pour vous. Et coucou quand même, bien le bonjour. Nous sommes donc le mercredi 16 décembre, il est 8h34. La magie du montage, c'est ça la magie du montage. Je vous retrouve donc 5 jours plus tard. Comme je vous l'avais expliqué, hein, il me semble, juste avant, parce que voilà, il y avait eu des soucis, des machins. Donc, aujourd'hui, on va donc finir ce petit vlog. Mon Dieu, avec la liberté de ne plus faire d'attestation. Liberté ! Mais ils ne nous ôteront jamais !
notre liberté. Plus d'attestation, ça y est, c'est terminé. Bon, il faut rentrer à 20h, mais bon, je serai largement rentrée à 20h. D'ailleurs, programme du jour. Donc là, il est maintenant 8h35. Donc, je vais aller à la poste et puis je pense qu'on va se retrouver à Angoulême directement. Donc du coup, oui, je retourne à Angoulême chercher ce que j'avais mis de côté chez Camailleux et puis voir pour un autre article. Et puis ce sera retour maison. Je vais essayer de vous filmer un petit peu Angoulême parce que waouh, c'était super joli. C'était dommage la dernière fois, il pleuvait, enfin il n'y avait pas une luminosité terrible, mais c'était super beau. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de soleil aujourd'hui. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un petit peu des petits plans. Et puis je pense que je vous expliquerai aussi à ce moment-là pourquoi je ne sors pas de vidéo aujourd'hui. Enfin mercredi pour vous. Parce que moi on est mercredi, mais pour vous on est samedi. C'est compliqué, hein. Surtout à cette heure-ci du matin. Là, ça fait à peine une heure que je suis réveillée. Voilà. Et ben voilà. Hein, on va pas tergiverser pendant 20 ans. Nous avons un petit doudou qui dort à sa place habituelle. Et nous avons un petit Sony qui a complètement mis son plaid dans l'air. Sony, arrête avec tes pattes. Ça suffit. Ça suffit. Voilà, bien au chaud, près de son radiateur, le loulou, vieille petite chose. T'es beau mon cœur, oui. Bref, voilà, hein, on va arrêter de faire des gagateries et on va y aller. Et voilà, je vous retrouve avec cette magnifique lumière de voiture et de parking souterrain. Nous sommes arrivés à Angoulême, donc je vais vite aller chercher ce que j'avais mis de côté à Camailleux, aller voir pour le dernier article, puis ben, direction maison. Mais avant, je vais vous faire des petits plans quand même d'Angoulême parce que vraiment c'est une jolie ville. Allez, on y va! Je vous retrouve à nouveau avec cette lumière magnifique de ma voiture dans le parking, avec des cheveux qui ont encore transpiré. Voilà, ça y est, c'est fait, j'ai tout. Bah, y avait encore des promos, donc j'étais loin du budget encore. Donc là, ce mercredi, y avait encore 50% supplémentaire parce que c'était, je sais pas si c'était une journée vente privée ou si c'est la fin de la semaine. Donc si vous avez la carte de chez Camailleux,
Vous avez 50%, donc mince, je sais déjà plus, moins 40% à partir de 2 articles et moins 50% à partir de 3 articles. Donc pour le coup, voilà. Bon, on va aller se poser, j'ai trop envie de prendre l'air et puis voilà, on se retrouve à l'air libre. Boys don't cry under the influence. You and I did not make a sense. Tell me why you're putting on a fence. Boys don't cry, boys don't cry. Endless game, when's it gonna end? We became what we should condemn. You and I, we were more than friends. Boys don't cry, boys don't cry. Look ahead, somewhere down unsaid, will they undermine? Dry your eyes, everything's just fine. Boys don't cry, boys don't cry. Wearing thin, is it just for show? Where you been? I don't want. C'est déjà un signe. Je voulais venir me poser là. Et le signe me montre la voie. Salut Pépère. Ah, comme t'es beau. Ça va, bonhomme? J'aurais dû prendre du pain. T'es beau, Loulou. Voilà, donc je voulais venir me poser ici, tranquillement. Prendre un peu l'air. Avec mon petit pote qui est là. Est-ce que c'était le meilleur spot? Je ne sais pas. Mais je me sens bien là. Ah, ça fait du bien de respirer. Je vous ai même pas dit l'heure. Je crois qu'il doit être 11h30, quelque chose comme ça. Le temps que je ressorte du Champ de Mars, que je me promène, enfin que je vienne à pied jusqu'ici. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Voilà, je suis posée. Ça fait tellement du bien de prendre l'air, mon Dieu. Ça y est, le déconfinement est arrivé, donc il était temps. La semaine dernière, j'ai pas pris le temps, hein. Je suis venue, je vous ai même pas dit, je crois, en plus. J'ai fait mon rendez-vous pro, je suis vite allée au Champ de Mars faire mes emplettes, et puis je suis rentrée, parce qu'on avait le droit qu'à 3 heures. Et là, ça fait du bien de prendre le temps de se poser, et j'ai un problème avec l'eau.
J'ai vraiment un problème avec l'eau. J'ai tout le temps besoin de me retrouver près de l'eau, une verso en même temps. Bon, après, c'est un signe d'air, les versos, mais les versos versent de l'eau, hein, c'est bien connu. Ben, pour vous expliquer un petit peu brièvement, hein, je vais pas non plus raconter toute ma vie, il y a plein de choses qui sont très personnelles, mais j'ai quitté la Lorraine, donc je suis originaire de Lorraine. En même temps, c'est bien, je vais pouvoir répondre à toutes les questions que vous me posez tout le temps. Donc, je suis originaire de Lorraine, j'ai habité à Metz, j'ai habité à Nancy et j'ai quitté la Lorraine il y a maintenant un an et demi, un petit peu plus, pour venir m'installer donc en Charente. À la base, j'ai fait un petit détour par la Vendée, je travaillais à La Rochelle. C'est justement pour cette ville que j'ai quitté la Lorraine. Et puis, me voici à présent à Cognac. Je me suis un petit peu éloignée de la mer, de l'océan, c'est ce qui m'avait fait partir de Lorraine, c'était vraiment venir près de l'océan. Et bon, voilà, je suis très très bien ici, donc c'est très très bien. Et pourquoi je n'ai pas le moral et pourquoi je n'ai pas posté de vidéo aujourd'hui, enfin du coup mercredi pour vous, tout simplement voilà, j'ai pas le moral, les fêtes approchant, c'est un petit peu compliqué pour moi. Vous avez été très nombreuses et même encore par message, les nouvelles abonnées qui arrivent me disent souvent, soit sur la vidéo ou les vidéos en question, soit par message Instagram, que j'ai beaucoup de chance d'avoir eu les cadeaux de Noël en plein été que mon chéri m'avait fait. Alors effectivement, j'ai beaucoup de chance d'avoir mon chéri et j'ai beaucoup de chance qu'il m'ait fait tous ces cadeaux de Noël. Le côté un petit peu moins chanceux, c'est que ces cadeaux ont été faits parce que en juillet, donc ils les avaient commandés juillet, je les ai eus juillet et puis début août parce que tout n'était pas arrivé en même temps. Parce qu'en juillet, ça a fait un an que mon papa est décédé et du coup j'étais très mal, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais du coup c'est pour ça que mon chéri m'a fait tous ces cadeaux, voilà, pour me faire penser à autre chose, me faire replonger dans ma passion et du coup voilà, donc c'est une chance sans être une chance, j'ai envie de vous dire. Et là, j'ai pas le moral parce que les fêtes arrivant, forcément, c'est compliqué. Et pas forcément pour Noël parce que mon papa était pas très très Noël. Mais c'est plutôt pour Nouvel An parce que c'était toujours le premier à m'envoyer un message à Nouvel An pour me dire bonne année. Et puis toujours avec de la taquinerie, avec une blague et aussi à mon anniversaire. C'était toujours le premier à m'envoyer, parce que mon anniversaire est pas très longtemps, c'est dans un mois et demi à peu près. Et c'était toujours le premier à m'envoyer un message d'anniversaire un peu... voilà. Donc, je pensais que ça irait cette année, étant donné que j'ai fait une grosse crise à partir de mai déjà. Mai, juin, juillet, ça a été très compliqué. Du coup, ça a été très compliqué. Donc, je me suis dit que là, pour les fêtes de fin d'année, étant donné que j'avais fait une méga crise déjà il y a 6 mois à peu près, je me suis dit que ça irait et non. Donc, voilà, je me laisse le temps de digérer. Et si je suis pas très présente ni sur YouTube ni sur Instagram, vraiment, je m'en excuse. Mais voilà, j'essaye de gérer ça. C'est déjà pas mal. Donc j'essaye d'avoir le sourire quand même tout le temps. C'est dans ma philosophie de vie de toute façon de garder toujours le sourire en toutes circonstances. Mais intérieurement c'est compliqué. Donc voilà. Donc c'était pour vous dire un petit peu le pourquoi du comment, répondre aussi à vos commentaires. Parce que vous me dites souvent t'as de la chance. Effectivement, c'est vrai, j'ai de la chance d'avoir mon chéri et qui m'ait fait tout ça. Voilà, donc c'était pour un petit peu vous expliquer la situation et puis un petit peu parler de moi, voilà, parce que vous me posez beaucoup de questions, donc autant répondre comme ça. Puis dans un cadre comme ça, je trouve que c'est relativement très sympa.
C'est beau, j'ai de la chance, je suis trop contente. La semaine dernière, quand je suis venue, j'avais tellement envie de venir me poser ici, mais pas le temps, parce que c'était encore le confinement. Et puis, bah, le temps n'était pas au rendez-vous. Donc là, ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que je me sens très bien ici, mais je me sens seule, forcément. J'ai pas toutes mes amies avec moi. Donc c'est compliqué. Je me suis refait des amis ici, pas beaucoup, parce que il y a eu le confinement, etc. Donc j'ai pas pu beaucoup rencontrer de monde, parce que je suis arrivée à Cognac au moment du confinement, du premier confinement. Et du coup, je me sens vraiment très seule. Mais heureusement, je me suis refait donc deux amis, qui sont des amis à mon chéri, qui sont absolument formidables. Et puis je vous ai vous, donc ça fait plaisir. C'est pour ça aussi que ça me tient tellement à cœur vos commentaires, vos messages. Ça me tient vraiment vraiment à cœur. Il y a des abonnés qui sont devenus des colocopines et qui sont devenus des amis. C'est trop beau, franchement c'est trop beau. Je vais profiter quelques petites minutes. Je vous reprends une fois à la maison. Et puis en même temps, je vais checker sur Instagram pour voir vos réponses au sondage pour savoir... Je vous en ai même pas parlé. Du coup, j'ai mis une story ce matin sur Instagram. Oui, je suis par terre. Moi, je suis en mode... Je m'en fous, je me mets par terre. Ce matin, je vous avais fait une story pour vous prévenir quand même qu'il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui, mercredi, bref. Et en même temps, j'avais fait un sondage pour savoir si vous vouliez que je vous fasse le haul du coup de tout ce que j'ai acheté. Donc je vais aller voir ça. Enfin, je verrai ça tranquillement une fois que je serai à la maison. Et puis voilà. Bonjour mon cœur, bonjour, bonjour. Non, c'est pas pour toi. Pour une fois, c'est pour maman. Oui. Non. Et Doudou, toujours à la même place, fidèle au poste. Oui, soldat. Oui, soldat. Bien joué, mon bébé. Qu'est-ce que c'est? C'est le téléphone? Qu'est-ce qu'il fait le chien? Hein? T'as fait une connerie? Mon bébé. Mon petit chat. Donc voilà, je vous retrouve. Il est 13h34. Le temps que je range un petit peu la maison, que j'aille promener la petite bête et que je me refasse un petit peu une tête. Hein, qu'on se le dise. Hein, je sais pas vous, mais moi, dès que je sors mes cheveux... humidité et voilà. Donc je suis vraiment contente. La dernière fois que je suis allée faire du shopping, c'était il y a à peu près 3 éternités et demie, très clairement, qu'on se le dise. J'avais acheté ça, donc j'avais été en Allemagne parce qu'avant j'habitais en Lorraine. Donc j'avais été en Allemagne chez Primark. Et donc j'avais acheté donc cette petite chemise, le jean aussi, que je porte. Voilà. Donc c'était il y a plus de 3 ans. Oui, il y a plus de 3 ans. Je pense que c'était bien... il y a bien 4 ans.
Donc voilà, pour vous dire, je ne fais absolument jamais de shopping, c'est très rare. Mais du coup, bah, je suis contente parce que là, pour le coup, je suis rhabillée pour... Donc voilà, je vais faire un bon tri dans mon placard. On va commencer. On va commencer comment? Je pense qu'on va y aller petit à petit. Hein. Je pense que ce sera le plus simple. Je ne vais pas faire de close-up. Très clairement, j'ai pas le temps de tout remettre, de tout filmer, etc. Mais voilà, je vais vous présenter. Bonne app. Bon appétit. Oui, ma gueule. Tu veux venir? Viens. Viens avec maman. Allez, viens. Oui. Non. Bon, du coup, on va commencer parce que voilà. Alors, vendredi dernier. Donc, chez Cache Cache. Je vais me faire de la place. Du coup, donc, vendredi dernier chez Cache Cache. J'avais trouvé cette robe pull qui est beaucoup trop belle. Je sais pas si vous le verrez bien, mais elle a des petites paillettes. Je sais pas si on voit bien, mais vraiment trop jolie. Et elle était à 29,99€. Ah oui, j'avais oublié de vous dire juste avant, du coup, ce que j'avais acheté la semaine dernière, c'est toujours là. Je les ai pas mis pour garder les étiquettes et tout, pour pouvoir vous montrer. Donc là, si vous saviez comme j'ai hâte de pouvoir enfin porter ces vêtements, ça va me changer la vie, vraiment ça va me changer. J'ai pris la même en vert. Forcément, vous savez que j'adore le vert. Là, ça rend pas vraiment la couleur qu'elle doit avoir. Mais pareil, elle a des petites paillettes, enfin elle a des reflets dorés. Trop belle avec les petits boutons là. Oh, je l'adore. Voilà, donc vous avez des manches un petit peu bouffantes comme ça. Oh, trop belle, avec des collants et ce qui vient après, top, je suis trop contente. Je vais essayer peut-être d'ouvrir un petit peu le volet, il y aura plus de lumière. J'arrive, oui, beaucoup mieux. Donc voilà, bon, ça ne rend pas encore la vraie couleur, mais voilà, trop belle. Donc elle était aussi à 29,99€. Et c'est pareil, chez Cache Cache, il y avait une promo, c'était à chaque tranche de 100€, vous aviez 10€ de réduction. Donc du coup, ben, ça valait le coup. Et ensuite, des petites chaussures derby, comme ça. Ça fait des années hein, que je rêve d'avoir ce genre de petites chaussures qui vont avec tout, avec un pantalon, avec une jupe, avec un short, avec une robe, enfin voilà, trop contente. Donc j'ai pris tout simple parce que bon, j'ai des goûts quand même relativement simples et elles étaient à 35,99€. Voilà, et je les ai essayées, elles sont hyper confortables. Donc voilà. Pour accessoiriser un petit peu, j'ai pris ce petit lot de bagues en doré. Donc il veut pas... Est-ce qu'il veut focusser? Apparemment pas. Enfin voilà, en doré avec bon, des petits strass. Il faut savoir que je n'ai jamais aimé le doré. Je trouvais que ça ne m'allait pas, je n'avais que des choses un petit peu argent comme ça. Et là, je sais pas, cette année, du doré. Pardon, ils étaient à 5,99€. Et ce petit lot, enfin ce petit lot, ce collier à double rang, en fait, ça fait... Depuis cet été que je cherche des colliers comme ça à double rang ou triple, hein, peu importe, mais donc trop beau. Donc c'est avec des petits arbres de vie, mais on ne verra pas. Et là, non, on verra pas. Et là vous avez voilà, un petit rond comme ça, donc tout léger. Oh, absolument trop beau, j'ai hâte de le mettre. Et donc ce collier était à 8,99€. Voilà. Donc, voilà pour chez Cache Cache. Ensuite, on va poursuivre avec Canailleux. Aujourd'hui, j'ai repris. Il a décidé de jouer.
avec sa grenouille alien. Attendez. Dérapage. Ouais. Tu cours? Tu fais foufou? Fais le foufou? Tu cours? Tu cours? Tu fais le foufou? N'importe quoi, Sophie. Du coup, voilà, j'ai plus de cadrage, c'est pas grave. Du coup, alors, chez Camailleux, aujourd'hui, et il recommence. Mais Doudou, je suis en train de filmer une vidéo. S'il te plaît. Du coup, on poursuit avec Camailleux. Alors, aujourd'hui, j'ai repris cette petite paire de bottines. Elles sont d'un confort. Pour des talons, je sais pas, ils doivent faire peut-être 7 ou 8 cm. Génial, donc pour les fêtes ou pour se promener comme ça un petit peu en ville. Super. Donc, elles étaient à 29,99€ avec le petit liseré doré pailleté. Elles étaient, enfin, elles sont vraiment très jolies, quoi. Très sobres. Comme, voilà, comme mon style, quoi. Ensuite, j'ai repris ce petit t-shirt tout basique. Donc là, vous avez une petite pièce un peu dorée, comme ça, avec le C de Camailleux. Le liseré argenté, donc tout simple, mais qui va avec tout. Donc il était à 12,99€. J'ai repris le même en vert. Avec le col du coup, voilà, un petit peu effet satin vert aussi. Donc pareil, hein, tout simple, toujours le petit détail. Donc 12,99€ aussi. Et je l'ai pris en noir. Bah oui, mais il était trop beau. Et puis ça passe avec tout le noir. Donc pareil, le petit col un petit peu satiné comme ça. Donc 12,99€. Et voilà, ça passe, que ce soit pour le mettre à la maison ou pour le mettre pour travailler, voilà, c'est parfait quoi. Donc moi je suis, dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme ça, mais moi quand j'ai une pièce que j'aime bien, eh bien je la prends en plusieurs couleurs quoi. Ensuite, toujours aujourd'hui, donc j'ai repris ce petit pull, hop, un petit peu donc jaune moutarde avec les petits boutons. Voilà, le petit détail qui fait toute la différence. Vous allez voir, je vous spoil un peu, mais vous allez voir que c'est un peu mon style, là, cette année. Donc, les manches un petit peu bouffantes et puis resserrées sur les poignets. Il est vraiment, vraiment, vraiment très joli. Donc, un petit peu côtelé, comme ça. Vraiment trop, trop beau. Et il était à 29,99€. Je vous le donne en 1000. Je l'ai pris en noir. Voilà, donc exactement le même, donc mais en noir, donc 29,99€ aussi. Ensuite, j'ai pris cette petite veste. Je pense que sur scène, ça aurait été mieux. Donc un petit peu longue, tailleur, donc un peu manteau, veste, mais vous pouvez très bien la mettre en tailleur aussi. Donc vous savez, c'est les vestes un petit peu longues, donc avec le col. Elle est hyper chaude, c'est parfait. Donc moi, je l'avais essayé, donc j'avais retroussé. J'aime bien retrousser les vestes, les manches des vestes. Donc voilà, là c'est des fausses poches, mais elle est absolument trop belle. Ah, elle est vraiment trop belle. Et donc elle était à 49,99€, mais elle passait à moins 50, tout comme tout le reste que je vous ai montré hein, d'ailleurs, tout passait à moins 50. Donc même ce qui était nouvelle collection, enfin, truc de fou. Et du coup, on en vient à ce que j'avais choisi déjà la semaine dernière. Donc j'avais repris, là par contre c'est une veste de tailleur. Donc toute noire, toute simple. Voilà, là je crois que les poches... Oui, c'est aussi des fausses poches, mais un petit peu, ah je sais pas, c'est pas vraiment du velours, mais elle est super douce, hyper agréable à porter. Donc elle était à 39,99€. Ensuite, on va poursuivre avec les vestes de tailleur. Donc j'ai pris celle-ci en grise. Donc là, tout est froissé, hein, forcément, ça fait quelques jours que c'est dans le...
dans les poches encore. Donc voilà, trop belle. Donc c'est un gris un peu chiné comme ça. Super, donc elle était à 29,99€. Ensuite, je suis partie sur un petit pantalon noir, donc tout simple, donc pour aller avec le tailleur. Donc vous avez la ceinture, donc la ceinture du pantalon qui donne un petit peu comme ça, toute simple, et puis resserré en bas. Voilà. Donc tout simple, un petit pantalon noir basique, tout simple. Donc il était à 29,99€. Une des pièces que j'avais tellement hâte de retourner chercher aujourd'hui. Oh là là, il est tellement bien. Il s'agit de ce gilet un peu poncho. Donc il est long, hein. C'est vraiment quelque chose de long qui se porte comme ça, donc avec, avec les petits, le petit fermoir. Mais si vous saviez comme c'est doux. Des petites poches avec le petit rappel simili-cuir. Voilà, les petites franges en bas. Oh, trop beau, trop beau. Et il était celui-ci à 29,99€. Voilà. Ensuite, on en vient au deuxième sac. J'ai pris également donc le pantalon gris. Donc c'est le tailleur. C'est l'ensemble qui va avec la veste grise que je vous ai montrée juste avant. Avec la ceinture comme ça, un petit peu froissé, avec un petit peu élastique, donc nickel. La petite poche derrière, donc pareil, hein, resserré en bas. Il est hyper agréable à porter. Donc il était à 25,99€. Ensuite, j'ai pris un petit haut comme ça, tout simple, hein, un basique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc doré avec des petites paillettes. Trop beau, avec une autre pièce que je vais vous montrer, ça le fera mais d'enfer, je pense que je vais le porter à Noël. Magnifique, vraiment, je suis trop contente. Et il était à 25,99€. Pièce suivante, on part sur un petit pull. Donc là vous le voyez plutôt beige, moi je le vois beige rosé plutôt. Donc pareil, il y a des petites paillettes, il est d'une douceur. J'hésite à le mettre en pull ou à m'en servir comme doudou la nuit. Il est trop bien. Donc avec les manches, voilà, comme ça. Pas trop long, pas trop court. J'ai horreur des pulls courts. Mais rentrer dans la ceinture devant comme ça, mon Dieu, il a un effet. Alors, il doit tenir, mais méga chaud, mais trop beau. Et il était, celui-ci, à 35,99€. Voilà. Ensuite, je suis partie sur du blanc. Donc, pareil, un petit pull, un petit peu en laine comme ça. Donc là, il n'y a pas de paillettes, il est vraiment basique. Celui-ci, je l'ai pris en taille L parce que il n'y avait plus ma taille. Il y avait du M, mais M à la limite c'était un petit peu plus grand mais sans plus, et je me suis dit pourquoi pas ne pas partir sur du L, comme ça je vais pouvoir le mettre à la maison et être hyper confort quoi. Donc voilà, donc tout simple avec un petit col un peu en V, donc en laine, et celui-ci il était à 25,99€. Ensuite, je suis partie sur encore le même style de pull, un petit peu bouffant au bras, resserré sur le mais cette fois-ci, alors vous le voyez bleu, moi c'est plutôt un bleu vert, un petit peu pailleté, donc pareil, toujours côtelé. Je crois que je vous l'ai montré juste avant, mais non, c'était pas celui-là, c'était avec les boutons, mais oui, il va arriver en d'autres couleurs. Et voilà, donc vraiment, vraiment trop beau. Donc, il taille super bien. Et celui-ci est à 29,99€. Ensuite, j'ai repris un petit pull en laine tout noir, tout simple. Donc, avec des petits motifs. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un basique. Donc, les petites manches un petit peu bouffantes quand même. Et il était à 29,99€, celui-ci. Ensuite, je suis partie sur cette petite robe un petit peu en velours. Donc, trop belle. Ça faisait, pareil, des années que je rêvais d'avoir ce petit style de robe. Donc, je suis très contente. Ouais, ça va le faire. Très contente. Donc, elle était à 29,99€. Donc, en plus, franchement, pas cher.
Ici, vous avez des poches, donc c'est parfait. Moi qui ai toujours mes deux téléphones, ben voilà. Ensuite, je suis partie sur un petit pull pareil, tout simple. Vous le voyez beige, mais il est rosé. Là. Ouais, vous le verrez beige. Mais il est un petit peu rosé, donc pareil avec des petites paillettes. Donc là, c'est un basique, hein, vraiment très basique. Et celui-ci est à 35,99€. Et ensuite, dernier vêtement de ce petit sac. Donc j'ai pris ce petit short en simili cuir. Moi, je suis pas très jupe, je crois que j'ai une jupe. Donc j'ai repris ce petit short. Il a un effet porté. Il est juste trop beau. Je vais essayer de vous mettre la ceinture. Voilà ce que ça donne un petit peu avec la ceinture. Il est trop beau, quoi. Trop beau. Je suis trop contente. Pareil, ça faisait une éternité que je rêvais d'avoir ce genre de petit short avec une petite paire de collants, des petites bottines ou des petites baskets, ça passe. Et donc 25,99€ le petit short. Et ensuite, pour terminer ce sac, j'avais repris encore un petit peu d'accessoires parce que bon, ben, les tenues c'est bien, mais sans accessoires ça ressort pas des masses, quoi. Donc j'avais repris ce petit collier, donc à trois rangs cette fois-ci, donc avec un petit soleil, un petit petit cercle, et puis ici un petit peu travaillé, donc long pareil, hein, ben, pour aller sur les tenues. Donc pardon, ils étaient à 7,95€, je vais y arriver. Et j'ai pris également ces petits bracelets, donc c'est par deux, avec toujours pareil un petit, ça va pas focuser, mais avec un petit arbre de vie et un petit un petit cercle tout simple. Et ceci était à 5,95€. Et pour finir avec Camailleux, du coup, la pièce que j'aime, une des pièces que j'aime le plus, c'est ce manteau. Donc là, par contre, je vous avoue, j'ai enlevé l'étiquette, je l'ai mis parce que je l'aime beaucoup trop. Et là, va falloir que je me lève, par contre. Donc c'est un manteau très long. Voilà. Un peu trench, enfin, vous voyez un petit peu le style de manteau, donc il est très long. Je mesure 1m68 et il m'arrive à peu près là, donc milieu des mollets. Mais il est absolument génial, il tient chaud, mais même mes jambes sont tenues au chaud, quoi. Donc là, par contre, il fallait vraiment que je réinvestisse dans un manteau. Donc j'en avais vraiment besoin. Donc voilà. Donc trop contente. J'arrive même pas à vous le montrer en entier. Hop. Donc il est vraiment doublé. Il est hyper épais. Donc là par contre je suis trop contente. Et il était à 89,99€. Et du coup, je vous l'avais dit, donc j'ai repris, c'est celui que vous voyez peut-être un peu bleu, donc je l'ai repris en beige, donc pareil, bouffant au niveau de, en dessous des bras, enfin du haut du bras resserré aux manches, et donc en beige avec les petites paillettes dorées, tout simple, donc 29,99€ pour celui-ci. Encore une de mes pièces préférées, il s'agit de ce petit pull tout simple en laine avec le petit liseré. Je l'aime d'amour. Il est trop beau, il tient super chaud, mais j'adore. Et il était celui-ci à 35,99€. Ensuite, je suis repartie sur un petit short, donc vraiment trop beau. Celui-ci, je l'ai pris un petit peu plus grand pour être à l'aise, et je trouvais que ça rendait mieux avec une taille en plus. Là, un petit peu froncé, un petit peu sur le, pas sur la taille. Il est vraiment vraiment canon. Donc avec les petites poches, il est vraiment super beau. Je suis trop contente. Pareil, une petite paire de collants, les petites derbies vernis, un petit haut noir. Voilà.
ça fait le taf. Je suis trop contente. Et celui-ci était à... Ah oui, il n'y avait pas le prix sur celui-là. Si vous voulez, je peux vous donner le prix en... Je ne sais pas. Je pense qu'il devait être peut-être dans les 29 aussi, hein, certainement. Et la dernière pièce, et ça, c'est pareil, ça me fait partie de mes coups de cœur. En même temps, si je prends quelque chose, c'est que vraiment j'aime. Je ne prends pas juste pour dire... j'achète pour acheter, quoi. Non. Mais là, je suis trop fan. Je suis beaucoup trop fan. Un pantalon. Et avec la ceinture, c'est trop beau. Là, comme ça, évidemment, ça ne rend rien. Donc, il est resserré un petit peu en bas. Porté, comment vous expliquer? Ça fait un petit peu bouffant au niveau du ventre et du haut des cuisses. Et puis après, ça fait... ça épouse la jambe, quoi. Il est mais tellement beau porté. C'est... il est magnifique. Magnifique. Et il était à 35,99€, celui-ci. Ouais. Trop contente. Là, quand je vous dis que je suis rhabillée pour... je suis rhabillée pour 10 ans, là. Très clairement. Et on en vient avec la dernière pièce. Parce que bon, c'est un petit... C'est pas que ça a rien à voir, mais un petit peu quand même. Trop contente. Non, je ne pense pas que vous le sachiez. Mais je vais vous expliquer une fois que je vous aurai montré. Donc, j'ai repris une paire... de Stan Smith. Elles sont tellement belles. Tellement belles. Avec le bout des lacets doré. Ici, c'est doré. Là derrière, ça fait... Bon, je suis pas très fan de l'effet serpent. Mais bon, voilà. Un petit peu serpent avec du doré. Cette année, je ne sais pas ce que j'ai avec le doré. L'intérieur est rouge avec les semelles. Elles sont juste canonissimes. Déjà une paire de Stan Smith qui a, bah pareil, 4 ans au moment où j'avais été en Allemagne. Mais que je n'utilise plus que pour aller promener Sony. Comment vous dire que ça ressemble plus à des bottes pour aller dans les bois tellement elles sont pleines de terre, j'arrive plus les ravoir. Donc voilà, avec c'est pareil, avec... le petit pantalon que je vous ai montré juste avant, la petite veste... Et les baskets, ça le fait, quoi. Les petites tennis comme ça, je suis trop contente. Et alors, je ne connaissais pas ce magasin. Ça s'appelle donc JD Sport, dans le centre commercial du Champ de Mars. Donc, elles étaient à 75€ au lieu de 100. Trop ma vie, les baskets. Donc, si vous saviez le nombre de baskets que j'ai pour faire... juste du sport. Voilà. Donc, vraiment, vraiment trop contente. Elles sont canons. J'ai trop hâte de pouvoir les mettre. Évidemment, pas pour promener le chien. Donc, voilà. On en a fini avec ce méga haul. Je suis tellement contente. Parce que là, pour le coup, le matériel ne remplace pas le reste. Mais néanmoins, ça va me faire un petit peu du bien de me sentir aussi un petit peu jolie. Donc du coup, je suis vraiment, vraiment ravie. Et j'espère de tout cœur que cette vidéo qui sort complètement du coloriage vous aura plu un petit peu quand même. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, je suis très contente de l'avoir fait. Ça m'a fait du bien de changer aussi un petit peu les habitudes, de filmer des vidéos de coloriage. Donc je suis vraiment très contente et puis ça m'a permis aussi de sortir un petit peu et de prendre l'air. Et comme je vous avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, je crois même au tout début, je ne sais plus, mais ça faisait des mois que j'étais pas sortie de chez moi et que du coup là ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, surtout quand je suis allée me poser là sur la berge. Je sais même pas c'est quoi le fleuve, faudrait que je regarde.
Mais voilà, c'était vraiment super. Donc j'espère que cette vidéo, ce tout premier vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner et laisser un commentaire. En attendant, je vais aller laver tout ça, retirer les étiquettes. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera du coloriage. Je sais qu'il y a quelques personnes qui n'étaient pas spécialement pour ce vlog. La prochaine vidéo, ce sera du coloriage. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine !